J'ai craqué pour ces magnifiques boucles d'oreilles. Une bague Napoléon. Je fais faire un sac sur mesure une banane, donc gros coup de cœur. Redonne une seconde vie au meuble. C'est un métier assez physique parce qu'il faut porter, il faut sangler, il faut tirer les toiles, tout est fait main. Donc c'est important de valoriser ce travail-là et d'aller voir les gens, de pouvoir leur parler. Moi, je suis ébéniste d'art, je me spécialise dans la tabletterie et la marqueterie. Ces événements-là, en fait, ça permet de contribuer un petit peu à entretenir ces métiers-là. Il y a la démarche de vente d'un côté, mais aussi la notion de transmission et surtout de renseignement. Et on peut échanger facilement, ils sont tous très ouverts, ils expliquent bien leurs produits. Ça demande beaucoup de travail, on a des pièces uniques. C'est tout l'intérêt, plutôt que d'acheter une pièce dans un magasin tout fait. J'aime bien fabriquer des choses. C'est le fait de coller plusieurs motifs. La couleur, c'était très bien. Il y a un contact vraiment fort avec les artisans, donc c'est ça qui est top. Ça nous permet de pouvoir vraiment découvrir aussi leur passion. Ce qu'ils font, quel que soit le stand, c'est absolument splendide.